Si tu aimes mon contenu vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, je te souhaite un excellent visionnage. Papa, maman, c'est quand qu'on arrive au cinéma? Bientôt, on est à 1 minute. Cool, on arrive là. Ok. C'est bon les enfants, on est arrivés, vous pouvez descendre la voiture. Ok, ok. Allez, descendez. Oui. Bon, maintenant que tout le monde est descendu, on va pouvoir aller voir la dame là-bas. Allez, on y va. Ouais. Mais maman, c'est les parents de notre copine Léa qui sont devant. On peut leur dire bonjour? Oui. Allez, on y va. Coucou Léa. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on va au cinéma. Vous allez voir quoi? Aménagement de... Blubblub. Pareil, on se mettra à côté? Oui. Une fois que les parents ont payé les tickets. Bon, et ben vous êtes dans sa roue. Vers le fond. Ok. Allez, on y va. Chérie, sur les chaises rouges, ça sera bien. Ben, les enfants, vous voulez vous mettre sur quelle chaise? Sur les chaises blanches. Ok, ben nous, on va se mettre derrière, on va se mettre sur les chaises rouges. Ok, ok. Hé, Roger, tu veux pas plutôt aller t'asseoir sur les chaises devant, là, bleues, pour réserver, pour que tu vois mieux? Non, maman, viens sur nous. T'es sûre? Oui, maman, je vais sur des genoux. D'accord. Maman voit rien. Y a rien à l'écran. Mais c'est normal, Roger. C'est parce que le film n'a pas encore commencé. Oui, mais maman, je vois rien. Je vois pas l'écran. Y a Luna qui est trop grande. Ah mais ça, je te l'avais dit, Roger. Il faut que tu ailles devant. Non, je veux pas aller devant. Bon, bah, reste là, alors. Oui, tant pis s'il va rien. D'accord. Plus tard. Bon, vous voulez vous mettre où? Ben, nous, on va aller sur les 7 pour un spécial bébé. Ok, et nous, on va se mettre sur les chaises jaunes, les enfants. Ok. Ça va? Oui, allez, on t'assoit. Mais asseyez-vous. Maman, restez là, maman. Ben non, les enfants, je peux pas. Mmh. Ah ben non, les enfants, je peux pas. Il faut que j'aille rejoindre votre père. Bon, d'accord, on reste là. Et que vous êtes sage. Oui, oui. Allez, venez les enfants, venez vous asseoir. Oui. Tu vois, Roger, les autres enfants, ils s'assoient sur les chaises. T'es sûr que tu veux pas y aller, tu verras mieux. Ni maman, si, vous restez sur les genoux. Pourquoi tu me poses tout le temps la question? Mais parce que tu vas rien voir, j'ai pas payé un ticket d'entrée pour toi si tu vas rien voir pendant tout le film. Maman, vais y aller tout seul comme un grand. Ok, vas-y. Elle a dit où déjà, maman? Sur les chaises roses, là. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est sur les chaises roses. Mais elle a dit aussi où je pourrais la voir. Mais je la vois pas. Je ne t'ai jamais dit ça. Et puis en plus, tu l'as dit sur la mauvaise chaise. Je t'avais dit sur les chaises bleues. Ah mince. Allez, viens t'asseoir, Roger. Ok. Pensez-vous.
bon, t'es assis maintenant, je pourrais me réasseoir à ma place. Et tu bouges pas surtout, hein? Oui, oui. Oh, mais bah dis donc, j'espère qu'il va vraiment pas bouger, hein? Les enfants, vous voulez vous asseoir où? Sur les chaises rouges et jaunes. Et moi, sur la chaise bleue qui reste. Ok, asseyez-vous. Ok. Bon, c'est bon, ça c'est. Ouais, maintenant ça va bientôt commencer. Oui. Après le film. Bon, les filles, vous avez trouvé ça comment? Très bien, très bien, très bien. On y retournera bientôt? On verra. On verra. Ouais, c'est ça. Allez, on rentre, les filles. Oui, oui. Voilà, les filles, vos tartines. Merci. Tiens, comme vous êtes là, j'ai une surprise pour vous. C'est quoi? Finissez votre petit déjeuner, allez vous habiller, vous lavez les dents et après on partira pour votre surprise. Cool! Maman, c'est bon, on est prête! D'accord, on y va. Mais vous allez où? Ah oui, c'est vrai, bonne journée! Merci! Venez les filles! Ouais! Allez, montez dans la voiture. Allez, c'est parti pour aller au... Au quoi? Aux surprises. Bon, démarre. Attends, ça démarre pas. Et voilà, la voiture est en panne. Tiens, tu vois, ça marche. Ouf. Bon, cette fois, on y va pour de vrai. Ah, enfin. Voilà. Waouh, mais on est où en fait? On est au... Crache le morceau. Au nouveau magasin de shopping. Trop bien. Je suis contente que ça vous fasse plaisir. On peut entrer? Non, c'est fermé. Ça ouvre dans 5 minutes. Ah d'accord. Bon, je vais aller ouvrir. Il est quelle heure? Oh crotte, j'ai 5 minutes de retard. Les clients vont s'impatienter. Maman, c'est quand que ça ouvre? Allez, un peu de patience. Ah bah tiens, voilà une dame. Bonjour, désolée, j'ai pas vu l'heure. C'est pas grave. Bon bah, bonne visite. Merci. On commence par aller où? Vous voulez qu'on commence par quoi? Le magasin de mode. D'accord, allons-y. Bonjour madame. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je veux bien que vous fassiez visiter le magasin. D'accord. Alors ici vous avez les robes pour femmes. Et ici, les vêtements pour enfants-filles. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Maman, regarde ce haut avec cette jupe. Il est à ta taille? Attends, je regarde. Oui. Bon bah, tu vas pouvoir l'essayer. D'accord. J'essaye et je te montre. Ok. Tu as trouvé quelque chose, Luna? Non, je me rabattrai sur les autres magasins. Si tu veux. Maman, regarde. Ouais, c'est joli. On le prend? Allez, oui, on l'achète. Cool, on va à la caisse? Non, je voulais regarder les robes, mais tu peux rester avec Luna. Ok. Eh ben, il y a des belles tenues. Tiens, celle-là. Les filles, je vais dans la cabine d'essayage. Ah, mais Chloé, tu t'es rechangée? Bah oui. Bon, je vais dans la cabine d'essayage. Ok, on t'attend. Vous me trouvez comment? Tu es trop belle! Merci! Achète-la! Oui, je vais l'acheter, mais tu es sûre que tu ne veux rien, Luna? Oui. Alors, je vais me changer et on va à la caisse. 50 euros, s'il vous plaît. Tenez! Merci, au revoir. Vous voulez aller où maintenant? Au coiffeur! D'accord. Ah, c'était génial! Maman, on peut aller au magasin de jouets? Oui. Cool. Maman, regarde, c'est la collection collecteur de Playmobil. On peut la prendre? Allez, oui. C'est tout? Oui. Très bon choix. Au revoir. Bon, venez les filles, on rentre. Ok. Elles ne savent pas que c'est une arnaque. Alors, c'était bien? Oui. Alors on y retournera.
Ouais. La 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 la, on va ouvrir les boîtes. Tu viens, Luna? Oui, j'ai trop hâte. On ouvre la maison. Ok, mais viens, on va. Ok. On ouvre dans 3, 2, 1. Hein? Tu vois la même chose que moi? Oui, il n'y a rien dans la boîte. Attends, on va regarder dans les autres. C'est pareil. Il faut le dire à maman. Oui. Maman? Oui. On a ouvert les boîtes. Oui, et c'est bien. Il n'y a rien dedans. Quoi? Ce qu'on a acheté, c'est une arnaque. Malheureusement, le magasin est fermé aujourd'hui. Alors on fait quoi? Je vais envoyer une lettre au magasin. Ok. Hé les filles, on a reçu un courrier du magasin. Ouvre-le vite! C'est dit, bonjour Madame Papouille. Suite à votre courrier, nous avons renvoyé le monsieur responsable parmi nous. Excusez-nous, nous vous enverrons les vraies boîtes d'ici quelques jours. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle! Oui, c'est sûr. Elle est trop bien la vidéo de Thomas Playmobil. Mais j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube. Mais est-ce que papa et maman vont être d'accord? Au pire, j'ai qu'à appeler mamie. Elle, c'est sûr qu'elle va dire oui. Allô, mamie? Oui? Je t'appelle parce que je voudrais que tu me crées une chaîne YouTube. C'est quoi YouTube? Tu veux une chaîne télévisée? Mamie ne comprend rien. Bon, je demanderai à papa et maman plus tard. Maman, oui, je peux te poser une question? Attends, je regarde les mails. Ok. Bon, alors je vais aller demander à papa. Allez, Marc. Papa? Quoi? Peux te poser une question? Attends, je finis de regarder le match. Personne ne veut répondre à ma question. Bon, je vais attendre. Chloé, c'était quoi ta question? Elle est venue te voir? Bah oui. Alors ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que je crée une chaîne YouTube? On doit réfléchir. Va voir Luna pendant qu'on discute. Ok. Luna, tu fais quoi? J'ai fini mon dessin, pourquoi? Bah parce que j'ai demandé à papa et maman de me créer une chaîne YouTube. Mais s'ils sont d'accord, on pourrait faire des vidéos à deux. Oh ouais, ce serait génial. Chloé? Oui? Du coup, on a décidé que oui, ça va être possible, mais je suppose que Luna va vouloir le faire aussi. Donc vous aurez une chaîne à deux. Sous notre surveillance, bien sûr. Waouh! Alors on va tourner tout de suite. Ah, c'était trop bien. Bon, on va faire le montage. Hop. Voilà. Et maintenant, papa, on la met en ligne. Ok. Bon, maintenant, on attend qu'elle se mette en ligne sur YouTube. Et voilà. Bon bah voilà, c'est fait. Non mais on a vraiment trop de chance, je suis trop content. Ouais. Les enfants, comme c'est votre dernier jour, on ne va pas travailler aujourd'hui. Ouais, mais on va faire quoi? Vous pouvez faire des jeux, du dessin, écrire une histoire, si vous avez un livre à lire. Ok, juste quand un jeu est utilisé, plus personne ne peut y jouer, hein. D'accord. Les enfants, vous pouvez aller en récré. Ok. On fait quoi? Bah, on peut parler sur le banc. Ok. Ce soir, c'est les grandes vacances, j'ai hâte. Ouais, c'est vrai, j'espère qu'on se verra pendant les vacances. Oui. Les enfants, venez. Alors, vous allez pouvoir faire du sport libre. Oh, nul. T'inquiète, tu nous regarderas. Bon, je vous laisse, monsieur, je vais aller chercher les bulletins. Ok. Il est où notre professeur? Il est parti chercher vos bulletins. D'accord. Les enfants, venez, je vais vous remettre les bulletins. Alors, j'ai Léo, tiens. Merci. Maintenant, Léa. Cool. Et Chloé et Luna. Merci. Voilà, maintenant, je vous laisse faire vos jeux. Ok. Bon bah je vous souhaite bonnes vacances les enfants. Bonnes vacances professeur. Bon les filles, on se verra pendant les vacances. Oui je pense. Les filles,
Maman, tu y es venue ? Bah oui. Bon, allez, on y va. Il y a quoi pour le goûter ? Il y a de la brioche sur la table. Ok, mais maman, oui ? Vous avez choisi l'endroit où on veut partir en vacances ? Alors cette année, on a décidé de ne pas partir. Oh, pourquoi ? Bah, à cause du Covid. Oh, fichu maladie. Oui, donc désolé. Par contre, on pourra faire des sorties à la forêt comme l'autre jour, à la piscine, etc. Ok. Mais on pourra aussi aller au cinéma ? Oui, mais on reste dans la voiture. Ouais, on est en vacances. J'ai bien dormi. Bon, je vais descendre en bas. On n'avait pas quelque chose à faire aujourd'hui ? Ah oui, c'est vrai. On doit tout préparer pour la famille Cookie qui vient. Bon, je vais aller préparer le petit déjeuner. Tiens, Chloé est déjà réveillée. Je suppose qu'elle doit être dans le salon en train de regarder la télé. Bon, je vais faire des tartines. Tiens, c'est prêt. Chloé, viens manger. Hein ? Mais comment tu as su que j'étais réveillée ? J'ai tout simplement vu que tu n'étais pas dans ton lit. Mais viens. Oui, j'arrive. Tiens, voilà tes tartines. Merci. Maman, n'oublie pas qu'il y a la famille Cookie qui vient. Ah mince, j'ai complètement oublié. Bon, bah, il va falloir organiser la matinée. Oui, il faut tout préparer. Bon, avant de faire quoi que ce soit, on va attendre que tout le monde se lève. Ok. Bon, maman, si on attend encore, ils vont se réveiller à midi. Bon, alors allons les réveiller. Chérie, on se réveille ! Non, mais il est quelle heure ? Allez, il est 9h30, il y a la famille Cookie qui vient. Hein ? Quoi ? C'est aujourd'hui ? Bah oui, donc lève-toi, ils arrivent à midi. Qui ? Bah la famille Cookie. Ah oui ! Luna, réveille-toi, il y a la famille Cookie qui vient aujourd'hui. À coup, je me lève. J'arrive, mon bébé. Je suis là. Maman, on va manger. Oui, on va manger. Bon, je vais chercher le balai, je vais faire le ménage. Eh ben, il y en a de la poussière. Bon, Roger, je te laisse dans ta chaise, je vais balayer. Ok. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je balaye. Ah, d'accord. Je voulais le faire, mais puisque c'est toi qui le fais, je vais aller faire les courses. D'accord, à tout à l'heure. Oh, les brocolis étaient en rupture de stock au magasin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben en fait, je voulais prendre des brocolis, sauf que bien sûr, ils étaient en rupture de stock parce que tous les surgelés sont en rupture de stock et il n'y avait plus de brocolis naturels non plus. Oh, c'est vraiment pas juste. Ben oui, donc du coup, je me suis tapée à prendre des haricots verts, hein, non, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est pas juste quand même, hein. Bon, ouais, je vais ranger toutes mes affaires dans le frigo. Bon, maintenant que j'ai tout mis dans le frigo, en cuisine. Ça sent bon, il est quelle heure ? 11h59, ils vont arriver dans une minute. Je vais ouvrir. Bonjour ! Ah, Eric, ça faisait longtemps. Eh bien, voilà, je vois qu'après 10 ans qu'on s'est pas vu, vous avez fait 4 enfants. Ah oui, alors du coup, il y a Erwan, Maëlys, Noémie et Elia. D'accord, mais bon, vous venez manger ? On vous suit. Eh, venez, on va jouer dehors. Ok. Waouh, vous avez un grand et beau jardin. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Il était trop bon goûter. Les enfants ? Oui. On va faire un petit tour à la fête foraine, vous venez ? Ouais. Papa, on peut monter dans la grande roue ? Attends. Les enfants, vous voulez monter dans la grande roue ? Oui. Bonjour monsieur, 6 places pour la grande roue s'il vous plaît. Mais je vois que vous êtes 8. Oui mais ma femme garde le bébé donc du coup elle monte pas. Ah d'accord, cela vous fera du coup 16 euros. Tenez. Allez venez on peut monter. Mesdames et messieurs, les lumières de la grande roue vont s'allumer et nous allons vous allez vous sentir en train de décoller. Mais bien sûr vous n'allez pas décoller. Voilà, j'ai allumé les lumières et du coup... Maintenant, c'est parti! On va tourner! Et allez, c'est parti! Oh! Tu te souviens de cette musique? C'est notre série préférée en plus! Ouais! Alors, oh là 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 là, j'aime trop cette musique!
Madame, c'est monsieur, reprenne la chanson, nous allons tourner super vite, super, super vite. Oh oh, là par contre, je crains le pire, je crains le pire, je crains le pire. Et c'est parti, et on tourne super vite. Oh my god, j'ai trop peur, ça va trop vite, ça va trop vite, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Oh, j'avais jamais, je suis jamais montée dans une roue qui va aussi vite. Et c'est fini. Bon, c'était quand même bien. Oh là là, maman, c'était trop bien, t'aurais dû monter. Oh, c'est vrai, oh, dommage que j'avais rouge à garder, mais bon, c'est la vie des bébés. Ouais. Bon, bah, nous, on va rentrer, les enfants, et puis on se reverra un autre jour. Ok, au revoir, Erwan, au revoir, Maëlys, au revoir, Mémie. Et au revoir, Rémi. Allez, venez, on y va. Oh, c'est cool, papa, que tu nous amènes à la piscine. Ouais, bah, allez, venez, on va se doucher, et puis après, on est dans le bassin. Ah, mais c'est quoi cette douche froide? Ah, c'est bien chaud. Ah, mais c'est trop chaud, cette petite douche. Ah, bon, moi, là, c'est la bonne température, autant en profiter, hein. Bon, Chloé, dépêche-toi, là. Il reste moi et ton petit frère à passer. Oui, c'est bon, je sors. Allez, un petit plongeon. Wouhou! Allez, venez, venez! Attends, finis de te doucher. Papa, moi, je vais dans le bassin pour bébé. D'accord, tu y vas tout seul? Oui. Bon, allez, je te rejoins. Attends, fais un plongeon, s'il te plaît. Ok. Allez, 1, 2, 3. Wouh! Ah bah, elle est vachement bonne, l'eau, au moins. Oh, tu entends? Il y a un avion qui passe. Bah oui, j'entends. En plus, ça casse les oreilles. Oui, bon, je sais. De toute façon, il est parti, là. Bon, moi, je vais faire le toboggan. Ok, je viens avec toi. Allez, moi, j'y vais, hein. Oui! Oh, c'est trop bien. Allez, papa, vas-y. Attention, j'arrive. Eh ben, il va vite, ce toboggan, hein. Ouais, je sais. Bon, on joue un petit peu avec le ballon qui se trouve dans la caisse là-bas, là, à côté du surveillant. Ok, bah, si tu veux, hein. Je vais te chercher. Ok. Allez, tu viens? Oui, lance. Tiens, attrape. Aïe! Oups, désolé. Attends, tu vas voir. Tiens, attrape. Aïe, mais ça fait mal. Ben quoi? Au moins, tu crois que ça m'a pas fait mal? Oh, désolé. Bon, attends, je vais juste chercher un truc. Mais tu regardes pas ce que je vais chercher. Ok, je regarde pas. Ah, je vais bien l'avoir avec ça. Papa? Oui, je peux me retourner? Oui! Ok! Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. Non. Mais t'es complètement folle! Ah, je t'ai bien eu, hein. Bon, je vais m'occuper un petit peu de ton frère, hein, parce qu'il est resté tout seul là pendant quelques minutes. Ok, moi je vais faire du toboggan. Roger, ça va? Oui, mais papa, tu peux amener le petit, les bateaux là qu'il y a dans le bac que tu me suis? Oui, je vais te le ramener, reste ici. Tiens, le voilà, je te le mets dans l'eau. Ah, cool, en plus ça flotte, c'est trop bien. En plus, avec le vent qu'il y a dehors, ça passe tout seul. Ça bouge tout seul. Ah oui, parce que là, ce bateau-là, il n'est pas... Il n'y a pas un petit truc pour l'actionner. Bah non, c'est à nous de le pousser. Ok, bon, bah je vais te surveiller sur le transat. Ok. Ah, il fait du bien ce transat, hein. Hé oh, papa, là, on se réveille, hein. La piscine, c'est pas un endroit où on dort. Hein, hein, quoi? Mais je me suis pas endormie. C'est pas la peine de mentir au petit papounet.
Bon, par contre, tu sais qu'il est déjà, en fait, il est déjà 17h. Quoi? Mais il va falloir rentrer. Attends, maman, elle m'avait dit que rentrer avec Luna à 17h30. Bah oui, mais on peut faire un petit tour, un dernier tour de toboggan, s'il te plaît, avant de partir. Ok, mais attends, j'ai demandé à Roger s'il veut venir sur mes genoux pour faire un petit tour. Ok. Roger, est-ce que tu veux monter sur mes genoux pour aller faire un tour de toboggan? Oh oui! Allez, on y va. Bon, maintenant on y va. Ok. Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Oh, cette canicule, oh là là, on va jamais s'en sortir. Ça fait déjà 3 jours qu'elle dure, mais j'avoue que c'est vraiment casse-pied. Hein. C'est vrai que là, heureusement qu'on n'est pas dans les zones quand même des vigilances rouges. Hein. Ah bah oui, parce que si on était là, déjà qu'on a l'impression qu'il fait 40 degrés dehors, alors non merci. Hein. Ouais, bon bah moi je vais aller me coucher, hein, parce que... voilà, mais chérie, tu sais que là il fait encore chaud. Bah peut-être, mais voilà. Bon, je vais me coucher. Oui, à demain chérie, je te rejoins. Enfin, moi je vais aller me coucher dans une heure, je pense. Ok, chérie. Oh là là, il fait super chaud là-dedans. Bon, je vais aller ouvrir la porte, hein. Je peux pas dormir comme ça, moi. Bon, je vais aller ouvrir la porte, hein. J'espère qu'Eric pensera à la fermer, hein. Parce que là... Voilà, j'ai ouvert. Maintenant, je peux me coucher. Ah, après cette journée caniculaire, là. Enfin, ah, bon, moi j'allais me coucher, mais tiens, elle a laissé la porte ouverte. Bon, ça doit avoir une bonne horizon. Moi, c'est bien, il va faire frais. Bon, moi, il faut que je me couche, hein. Il est déjà minuit. Ah, ça fait du bien. Mais la porte, elle est ouverte. Oh, c'est pas vrai, il est encore pas fermé. Oh non, n'importe quoi, hein. Punaise. Oh, maintenant, le coq, là, il m'a fait sursauter ce matin. Oh, bon, bah, je vais aller préparer le petit-déj, hein. Alors, la 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 la, la 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 la. Coucou, maman. Coucou. Juste, la canicule est finie quand? Parce que cette nuit, j'ai hyper mal dormi. Alors ça, c'est prévu dans 2 jours, normalement, il me semble. Dans 2 jours? T'es sérieuse, là? Bah, oui. Coucou tout le monde. Ah non, mais toi, tu vas m'entendre, hein. T'as laissé la porte ouverte. Je croyais que c'était pour aérer, qu'il fallait laisser rafraîchir. Milou! J'avais fait exprès de la laisser ouverte juste pour... justement, je pensais que tu la refermerais. Du coup, ce matin, moi, je me suis réveillée en sursaut avec un coq. Un coq? Mais depuis quand on a des coqs dans notre rue, nous? Bah, depuis un an, chérie. Mais de qui? Bah, du numéro 37. Ah bah oui, oui. Du coup, je disais à Chloé que la canicule se termine dans 2 jours. Oh là là, ça va être trop long. Ouais, allez, y'a plus qu'à attendre 2 jours. Non, maintenant il y a de l'orage, c'est nul. En fait, c'était mieux quand il y avait la canicule, hein. Bah, maintenant, il y a plus qu'à attendre. Oh non, parce que quand il y a de l'orage, on peut rien faire et puis en plus, ça fait boum. Tu vois, quand j'en parle, à chaque fois, ça arrive. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Oh là là, c'est vraiment énervant l'orage. C'est pas mieux que la canicule. Ah bah, chacun ses goûts. Oui.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'orage se termine. Encore. Oui. Chloé. Oui. Est-ce que tu veux venir avec Roger et moi faire les courses? Ok. On va aller sur Luna là, hein, parce que voilà, elle est assez grande pour rester. Ok, bon, on y va? Oui, je prends ton petit frère. Tu peux attendre la voiture. Ok. Bon, je vais mettre Roger avec, sur son siège auto. Oh non, va falloir que je démonte cette poussette. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas faire ça moi. Voilà, ça y est, réussi. Bon, maintenant je vais mettre dans la voiture. Allez, zou, on y va. Allez, on est arrivé, on peut descendre. Ok. Allez, on entre. Et on va aller chercher tous les articles. Alors, on va commencer par acheter des légumes qui sont en promo. Mais maman, t'as pas de sac? Mince, je l'ai oublié. Oh non. N'importe quoi. Bon, attends, je vais aller en demander à la dame là-bas, là. Ok. Bonjour madame. Bonjour, que souhaitez-vous? Vous n'avez pas d'article? Non, en fait, j'ai oublié mon sac. Est-ce que vous avez un sac pour moi? Oui, j'ai celui-ci par exemple. Ok, merci, je vais le prendre. Je vous dois combien? Mais 0€, madame. Oh, merci, c'est gentil. Alors, à tout à l'heure quand je passerai pour payer. Oui, à tout à l'heure. Bon, alors, du coup, on a des légumes à prendre. Donc, on va prendre les légumes qui sont là, mais qui sont en promo pour mes bons de réduction là, tu sais. Ah, c'est pour ça que t'es venu. Ben oui, j'avais 5 bons de réduction. Hein. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. Bon, hop, on va prendre. Tu vois, on va prendre la petite cagette de légumes là, Chloé. Ok. Voilà, on l'a pris. Maintenant, il faut quoi, maman? Il nous faut du pain. Bah, c'est juste en dessous, regarde. Oui, je vais l'attraper. Hop. Voilà, je l'ai. Super, mets-le dans le sac. C'est bon. Ok, alors maintenant, on va au rayon d'à côté. On va voir, j'ai vu qu'il y avait des frites en promo. Trop bon. Ah bah, ça c'est sûr. Tiens, elles sont là. Tu les prends, Chloé? Oui, et je les mets dans le sac. Voilà, c'est bon, j'ai pris une barquette. Ok, ah bah tiens, il y a du jus d'orange en dessus. J'ai vu qu'il y avait du jus d'orange en promo. Tiens, prends-en une bouteille, s'il te plaît. Ok. C'est bon, maintenant, je la mets dans le sac. Hop, voilà. Super, merci. Alors, maintenant, il me reste quoi? Ah oui, des saucisses. Je veux dire les saucisses qui sont tout là-haut, là. Oui, ça va être dur de les attraper. Bon, attends, je vais les attraper. Je vais y arriver à les attraper, je vais y arriver. Maman, elle a fait tout tomber. La dame ne va pas être contente. Madame, vous avez tout fait tomber là. Ah oui, j'ai essayé d'attraper les saucisses, sauf que en fait, j'ai tout fait tomber et j'ai même pas attrapé au final les saucisses. Ouais. Bon, je remettrai ça tout à l'heure. Ok, merci. Vous pouvez m'attraper les saucisses par contre, parce que j'ai pas envie de vous faire tout tomber, s'il vous plaît. Hein. Oui, oui, je vais vous le faire. Voilà, je vous l'ai mis dans votre sac. Ok, merci. Bon, bah, on va aller à votre caisse. Hein. Ok, à tout de suite. Oui, à tout de suite. Oh non, maintenant il faut qu'on fasse la queue. Madame, cela vous fera 100€. Quoi? Mais vous êtes folle ou quoi? Moi, je suis agricultrice hein, depuis 20 ans. Vous croyez que j'ai assez d'argent hein? Je gagne 600€ par mois. Bah non, moi, je peux pas payer... ça, 100€, c'est quasiment... c'est 6 fois moins de ce que j'ai par mois. Ben non. Mais madame, c'est vous qui avez pas regardé les prix, hein. Ben peut-être, hein, mais vous avez pas une petite réduction, mon frère, ou je sais pas quoi. Non, madame, vous avez juste pris tous les articles hors de prix, c'est pas de ma faute, hein. Mais je peux pas payer 100€. Et ben alors vous allez dans un autre magasin, vous recommencez vos courses. Grrr, je m'en vais de ce magasin pour toujours. Je suis fâchée, vous comprenez pas ça? Oh, vous êtes le pire magasin. Allez hop, on s'en va. Oh, n'importe quoi cette dame. Hein. Bonjour madame. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous avez à mettre? Ben rien, justement, je comprends rien à votre magasin. Ben pourtant, tout est trié, les jus d'orange, les jus qui sont là-bas avec le jus de pomme et le lait.
Ensuite, il y a les saucisses, en dessus des jus d'orange et tous les jus. En dessous des jus d'orange. Mais tout à l'heure, pourquoi il y a des raviolis? Ah oui, on a des frites et des poulets. Pourquoi il y a une boîte de cornichons sur les jus? Ah, mais ça, c'est la dame derrière vous qui a tout fait tomber. Quoi? Comment ça? Et vous lui dites rien? Vous lui dites pas de tout acheter? Bah non, vu qu'elle a rien cassé. Bon, je crois que moi aussi, je vais m'en aller à ce magasin parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, hein, vous respectez pas les clients. Hein. Oh là là. Deuxième cliente perdue. Super. Moi, je suis bonne cliente chez vous. Oui, alors du coup, vous... Ça vous fera 62,90€. Ok, mais j'ai 5 bons de réduction de 1€. Oh non, je vais perdre 5€ aussi qui me manquait pour avoir mon salaire. Qu'est-ce que je voulais acheter? Bon, je vais pas les passer. Oui, attendez, je vais vous les passer. Tic, 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 tic. Voilà, c'est bon, ils sont passés. Tic, la carte. Voilà, allez, bonne journée, madame. Bonne journée. Au revoir. Oui, au revoir. Alors, je vais garder le ticket de caisse. Mais j'ai payé. J'ai mis bon de réduction, ils sont même pas passés. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends, Chloé, reste là. Surveille ton frère, je reviens, je vais voir la dame. Hein, c'est parce que pas normal là par contre. Rebonjour, madame. Rebonjour. Je voulais juste vous dire, vous n'avez absolument pas passé mon bon de réduction. Vous avez du mal à escaler. Non, mais non. C'est vous qui avez mal compté. Hein. Non, j'étais tous bien passés. Ben non, madame, regardez mon ticket de caisse. Il n'y a pas écrit bon de réduction, bon de réduction, bon de réduction, bon de réduction, bon et bon de réduction. J'en avais 5. Ah ben non, mais... Non, c'est vous qui avez mal crédité. Hein. Ah ben non. Madame, vous repassez les bons de réduction, s'il vous plaît. Oh, ok. Tiens, tenez, les voilà. Ah, merci, au revoir. Oui, au revoir. Ah bah, c'est pas trop tôt, ça fait 10 minutes qu'on attend. Ouais, bon, allez, venez, on rentre. Oh, il est quelle heure? Il est quelle heure? Oh mince, alors! Oh, il est 7h05. Oh, c'est la rentrée, on a déjà 15 minutes de retard. Oh, super. Ça commence bien, ça commence bien, et ça commence bien. Chloé, Luna, réveillez-vous, on a un quart d'heure de retard déjà. Quoi? Un quart d'heure? Oui, je sais, j'ai pas regardé l'heure, il est 7h05, on a un quart d'heure de retard. Allez hop, levez-vous. Allez hop, levez-vous là. Ça va pas. C'est déjà la rentrée, tu me stresses déjà. Vite, allez, on n'a pas le temps là de discuter, dépêchez-vous. Oui, on arrive. Ah, voilà. Allez hop, dépêchez-vous de manger votre petit déjeuner. Allez, vite. Vite. Non mais c'est bon, on a le droit de manger quand même. Oui, non, je sais, mais bon, on a déjà un quart d'heure de retard. Franchement, vous voulez être en retard le premier jour? Ben non, mais je rappelle que chaque année, on a un quart d'heure de retard et au final, on arrive 5 minutes en avance, hein, maman, en fait. Hein. Oui, ça, c'est pas faux quand même. Mais bon, mangez vite quand même. Hein. Mangez. Allez. Non, mais c'est bon, hein, on n'est pas dans les bleus. Hein. Oui, bon, bref, mangez. Bon, on a nos cartables, on a tout préparé. Je pense qu'on peut y aller. Hein, maman, on peut y aller? Maman, oui, vous pouvez y aller. Tu nous accompagnes? Roger dort, donc bah du coup je vais rester ici, hein, je vais pas le laisser tout seul. Mais il faut pas emporter un masque, maman? Il faut pas emporter le masque plutôt? Non, parce que si vous respectez le mode de distance, ça sert à rien. Autrement, le mètre de distance, ça servirait absolument à rien du tout. Donc non, normalement il n'y en a pas besoin. Et puis au pire, ils vous en donneront un à l'école, à mon avis. Hein. Ouais. Ok, on se vient, Luna, on y va, hein. Ok. Julia. Oh, après 2 mois en plus, on s'est même pas vu pendant les vacances.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là, ça me fait trop plaisir de vous voir. Nous aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, moi, c'est reparti pour une nouvelle année. Ouais, bon, avec le mètre de distance, mais bon, c'est pas trop grave. Ouais, oui, en plus, on s'en fiche, quoi. De toute façon, nous, on joue pas vraiment des trucs où il fallait se toucher vraiment. Ouais, c'est vrai. Donc, ça nous. Au final, ça nous change pas grand chose. Ouais. Oh, ça sonne déjà. Bon, bah, voilà. Hein. Bon, bah, c'est reparti pour les cours, hein. Ouais. Les enfants, venez, on rentre dans l'école. Ok, ok. Alors, comme vous le savez sûrement déjà, je suis la directrice du collège. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire les présentations, parce que je vois qu'il y a des nouveaux. Mais Madame Fischer, elle est au courant qu'on va arriver en retard. Qu'on va arriver en retard à son cours, parce que si on fait les présentations... Oui, ne vous inquiétez pas, je l'ai prévenue sur ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Je connais Madame Fischer sur... le retard. Ok, bon bah on commence les présentations. Hein. Alors moi je m'appelle Lisa, donc j'étais là l'année dernière et donc du coup l'année dernière j'étais en 6ème et puis du coup cette année je passe en 5ème. Ouais je passe, je passe en 5ème. Alors moi je m'appelle Jade et comme Lisa je passe en 5ème. Et voilà, tout simplement, je passe en 5ème. Moi, je suis nouveau et je m'appelle Tom. Et je suis nouveau, j'étais pas l'année dernière, donc du coup, je suis en 6ème cette année. Alors moi, je m'appelle Iliana, comme Tom, je suis nouvelle. Je suis moi aussi en 6ème. Moi, je m'appelle... Non, tu t'appelles Théo, hein. Oui, mais en fait, j'aime bien qu'on m'appelle Piou. Merci. Et tu es en quelle classe? Enfin, oui, c'est ça, tu es en quelle classe? En quatrième. Ok, merci. Alors moi, je m'appelle Laura, je suis nouvelle et je suis en CM. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je m'appelle Thibaut et je suis en sixième et je suis nouveau. Ok, merci. Alors, les trois filles qui restent au fond, venez vous présenter. On peut se présenter en même temps? Oui, si vous voulez. Alors, moi, je m'appelle Chloé et je suis en quatrième. Et à côté de moi, c'est ma sœur. Donc, je vais la laisser parler. Hein. Allez, hop, vas-y, tu peux parler. Hein. Alors, moi, je m'appelle Luna. Alors, comme vous pouvez voir, je suis en fauteuil roulant. Mais ce sera pour toujours. Et je suis comme ma sœur en quatrième. Alors moi je m'appelle Léa, du coup forcément je suis en quatrième comme mes amis et voilà, en fait je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire, hein. Voilà, je suis en quatrième et voilà. Alors du coup merci les enfants, vous pouvez aller en cours, hein. Ok madame, à bientôt madame, à bientôt. Bonjour, oh professeur Dumbledore, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Oui, en plus je suis encore votre professeur principal cette année. Donc du coup allez vous asseoir et puis on va commencer à travailler, hein, on va commencer à travailler un peu comme l'année dernière, quoi. Ok. Voilà, alors vous pouvez ouvrir vos ordinateurs. Voilà, et puis du coup vous regardez ce qu'il y a dessus. Et puis après on fera une petite correction ensemble. Ok. Voilà les enfants, la journée est déjà terminée, donc je vous dis à demain. Alors, à demain professeur, à demain. Alors les enfants, pour demain, je voudrais que vous appreniez l'alphabet en anglais. Mais comment on va faire? Alors, pour l'apprendre, vous allez avoir une musique que je vous mettrai sur l'école directement. Et vous allez du coup consulter cette musique, donc vous aurez le lien, vous aurez la musique parce que j'ai un truc spécial pour la voix, mais je vais pas vous dire c'est quoi, hein. Et du coup cette musique vous l'aurez et du coup en fait il faudra l'écouter et en fait elle va vous dire l'alphabet en anglais. Alors franchement, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez aller regarder sur internet des petits trucs genre en mode avec l'alphabet et... pas les significations des trucs, mais
avec un truc qui va un peu moins vite parce que la musique elle va assez vite. Mais le problème c'est que pour demain vous devez être capable de réussir à chanter la musique. Et ceci est une évaluation. Oh non! Allez, à demain! Bah tiens, en parlant, la cloche sonne. Allez, zoup! À demain les enfants! À demain! Alors, c'est quoi? A, B, C, D, I, F, G. Oh, je sais plus! Qu'est-ce que tu sais plus? Mais l'alphabet en anglais, on doit apprendre l'alphabet pour demain en anglais, j'y arrive pas! Pourtant, c'est simple! Attends, je vais t'aider. Ok, mais j'y arrive pas. Tu regardes. Ça marche comme ça. Ça fait A, B, C. Mais les premières lettres, je sais. Mais c'est après A, B, C, D, E, F. Je me rappelle plus. Mais tu t'en souviens pas? Mais c'est G. Ah, mais oui, mais moi, je m'en souviens pas. A, B, C, D, E, F, G. Gne, gne, gne. Oui, bon, reste là, je pense qu'il y en a pour 3 heures pour midi. Hein. Ça y est, tu connais l'alphabet par cœur. Oh, merci, ta technique, elle était trop simple en fait. Bah, tu vois. Alors, bah, les enfants, c'est parti. On va mettre la musique. Alors, la musique. Ah, voilà. Allez, on chante, les enfants. Hein. Votre alphabet hein. Et du coup vous avez tous 20 sur 20. Ouais. Ah bah tiens, ça sonne, vous pouvez y aller les enfants. Au revoir professeur. Au revoir. Eh papa, papa, Luna et moi on a eu 20 sur 20 au truc de l'alphabet en anglais. Et ben, et c'est quoi la moyenne de la classe? Bah en fait tout le monde a eu 20 sur 20 parce que bah c'est très bien appris. Ah bah c'est super ça. Bon, venez, on rentre. Ok. Oh non! Il y a du café partout sur la gazinière! Regarde! Mais il y a des cafés partout dans la gazinière! Et je dois t'avouer que parfois c'est pas si facile à mettre, hein. Tu te rends pas compte, hein? Oui, mais quand même! Ha ha! Une nouvelle scène à répéter pendant une semaine! Oh non! Oh tiens! J'ai enquiquiné maman et je vais envoyer des messages. Alors, Allô, l'océan? Je suis bloquée. En fait, je sais pas ce que ça veut dire, ça a aucun sens, mais bon. Tiens, mais c'est quoi ce message? Eh, mais c'est quoi ça? Attends, Allô, l'océan, je suis bloquée? Alors, lui, il va m'entendre. Il a encore prêté ça à Chloé. Oh tiens, on va en envoyer un autre. Cette fois-ci, allô, l'océan, je vous remercie, je ne suis plus bloquée. Je vais lui renvoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me demande. Chloé, bah qu'est-ce qu'il y a? Oh, encore un plus. Eric, va venir ici. Bah qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a Chloé qui s'amuse avec ton téléphone et qui m'envoie 36 000 messages qui ne vont rien dire en fait. Et toi, tu vas aller monter, le chercher et tu vas lui dire d'arrêter ça, ok? Mais qu'est-ce qu'elle a envoyé? Elle a envoyé... Allô l'océan, je suis bloquée. Et après elle a dit allô l'océan, je ne suis plus bloquée. Donc tu vas aller la voir tout de suite. Je suis travagée. Mais elle t'a envoyé quoi après? Je sais plus moi, t'as qu'à regarder, c'est pas mon téléphone hein. Mais non, mais c'est sur t'as ton téléphone à côté. Mais oui, mais je les ai supprimés les messages hein, parce que j'en avais marre et puis ça voulait rien dire. En plus, j'ai bloqué ton numéro alors, hein, bien fait hein. Mais non, mais après tu renchaînes, tu décroches jamais, mais c'est normal.
Ah bah tu me réajoutes, hein, c'est pas de ma faute, hein. Bon, viens, on va monter. Ok. Mais c'est pas moi qui te rajouterai sur mon téléphone, hein. Et bah si. Chloé, donne-moi ce téléphone. Mais c'est pas le tien. Et bah même, je suis quand même ta mère. Bon, Chloé, donne-le-moi. Oh, tiens. Merci, bon, viens, chérie. Du coup, Chloé, elle s'est fait quoi pour son pique-nique? Bah, une galette de sarrasin. Oh non, j'avais fait cuire un steak haché. Bah non. Mais en même temps, elle savait pas. Bon, chérie, on va peut-être fermer le frigo, parce que sinon la nourriture, elle va périmer. Hein. Oh oui, bon. Chérie, ferme le frigo, ça pique les oreilles. Chérie. C'est bon, deux secondes quand même. Oh voilà, c'est bon, le frigo est fermé, t'es contente hein, Miss Râleuse. Bah oui, mais c'est toi qui vas regarder sur la facture et puis tu vas voir bah, combien d'euros on va payer, puis c'est toi qui vas faire la facture et les impôts. Oh c'est bon, tout ça pour une galette de sarrasin. Trop bien cette vidéo de Channel Merveille. Tiens, mais c'est quoi? Non mais je rêve, c'est quoi cette chaîne? Hein? Moi qui tue, mais professeur Dumbledore. Hein? Et quoi ce bazar? Bon, t'en vas cliquer dessus hein. C'est professeur Dumbledore. Oh mais attends, mais c'est bien le professeur. Mais quoi? Non mais pourquoi il nous aurait caché qu'il aurait une chaîne YouTube? Attends, en plus, combien d'abonnés? Oh, 100K? Non mais il est sérieux, il a 100 000 abonnés. Il nous a jamais dit qu'il avait une chaîne YouTube. Il est sérieux là? Luna, tu peux venir s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, je naviguais sur internet, genre je regardais une petite vidéo de Channel Merveille. Et puis regarde sur la quelle chaîne je suis tombée et regarde cette vidéo. C'est professeur Dumbledore, dehors. Attends, non mais c'est notre professeur là? Oui Luna, oui c'est notre professeur. Mais il a combien d'abonnés? Justement c'est ça le plus fou. 100K quoi? Il a 100 000 abonnés, il ne l'a même pas dit. Oui. Non mais il est sérieux là? Bah apparemment oui parce que on vient de le découvrir. C'était ça alors ces trucs si mystérieux en cours. Eh oui. Bah on va bien voir ce qu'il va refaire en cours du coup demain. Ouais, surtout que là on est dimanche, donc du coup demain c'est lundi, donc on va bien voir ce qu'il fait. Ouais. J'ai hâte de le voir faire ça. Ouais, moi aussi maintenant. Oh là là, Didi, faut que j'éteins mon montage, ils vont bientôt arriver les autres cocos. Oh là 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 là, bon je la mettrai en ligne en plein cours, je vais faire un contrôle surprise improvisé. Oh là 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 là, Didi, attends, il me reste quoi? Alors couper là, monter ici, là 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 là. Oh non mais c'est une blague. Allez vite, exporter, voilà, double pic sur toi. Voilà, c'est bon. Oh c'est bon. Bonjour professeur Dumbledore. Oui, allez-vous à part les enfants, contre surprise. Oh non, vous avez pas dit de réviser quelque chose. Ben, c'est un peu le but d'un contre surprise. Allez-vous pas aller vous asseoir. Je suis sûre que ce contrôle a un rapport avec cette chaîne. Ouais. Bon, maintenant, faut que je mette en ligne ça. Alors, tac. Oh, mais dites-moi que c'est pas vrai. Punaise de crotte, une heure de mise en ligne. Oh non! Oh, j'aurais dû mettre en HD au lieu de la 4K. Alors, finir ces dossiers sur école directe. Hein? Votre connexion a été interrompue. Quoi? Mais c'est quoi ce bazar? On a la pipe chez nous et puis bien sûr ça bug. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je vais aller voir professeur Dumbledore à côté pour lui demander s'il a de la connexion. Professeur Dumbledore? Oui. Je n'ai plus de connexion à côté. Vous en avez, vous? Non, pas du tout. J'ai pas de connexion du tout. Non, c'est vrai que moi aussi, ça a planté. Genre, ça m'a mis un truc, genre, je sais plus. Votre connexion était interrompue. C'est bizarre, ça m'a fait pareil. On a la fibre chez nous, et puis ça marche pas. Bizarre, tout cela. Ouf. J'ai chaud qu'elle n'ait pas vu ce que j'ai en train de faire. Hein. Oh, vous imaginez. Bon, hey, Luna, on lui dit qu'on sait ou on lui dit pas? On lui dit. Ok. Professeur Dumbledore? Oui. On voulait juste vous dire que, bon, on sait pour votre chaîne YouTube. Et on a trouvé ça super. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Quelle chaîne YouTube?
J'ai pas de chaîne YouTube. Oh, arrêtez de mentir. On sait que ce contrôle surprise, c'est parce que, je sais pas, vous avez peut-être mis en ligne une vidéo. C'est peut-être vous qui avez ruiné la connexion. Hein, on n'est pas fous quand même. On sait très bien que de base, vous ne nous donnez pas de contrôle surprise sans nous avoir averti. On n'a jamais de contrôle surprise avec vous. Oh, oui, bon, c'est vrai. Je vous l'avais pas dit parce que, bon, j'avais pas envie que vous soyez trop intrigués par ça. Si vous voulez, bon, j'ai fait ça par hasard une fois et puis ça a plu. Puis bon, c'est vrai qu'à 100 000 abonnés, et bon, voilà. Donc au final, vous savez, je suis contente que vous sachiez. Ok, bah ça me fait plaisir que notre professeur ait 100 000 abonnés, vous vous rendez compte? Ouais, bon, ne vous fiez pas qu'à ça. Ouais, on verra. Mais vous pourrez me donner un autographe? Non, hors de question, voyons. Je déteste faire ça. Mais on sait, voyons. Allez, je vous souhaite de continuer YouTube et de bien réussir. Merci.